Review Transformer Revenge of the Fallen, Demolishor. Donc on se retrouve avec une excavatrice à chenilles. Donc on a le godet par contre. Alors ce qui est un peu bizarre ici, on a les dents. On a un axe. Puis il ne sert qu'à maintenir les dents, c'est même pas moulé d'un seul bloc. Donc ça ne bouge pas. Bon, pareil, pas d'articulation, donc elle ne souffle pas. Elle a effectivement surtout bicolore, donc pas mal de rouge. Après le gris avec une teinte un petit peu bleutée. Ce qui est quand même pas mal, on a un petit dégradé ici de noir. Bon, du détail, les escaliers. Alors par contre, voilà, déjà des marques de stress à faire attention, c'est un plastique semi-dur. Hein. Voilà, quelques incrustations, le poste de pilotage. Encore l'escalier, le logo des Decepticons. Ce qui est bien, chenille caoutchouc, même si elles ne sont pas mobiles, mais au moins, voilà, la matière est là. Alors ce qui fait un petit peu tâche, c'est ceci. Voilà, dans la notice, ça a placé un 6, ça pend. Voilà, donc autant planquer un petit peu derrière, on va dire que c'est peut-être la seule chose qui choque. Après, le reste, bon, ça c'est bien camouflé, même si par en dessous on voit la tête. Mais voilà, faut la chercher. Non, c'est pas mal, beau petit voyageur. En fait, quand on actionne tout simplement l'appel, vous avez ici un système d'engrenage qui va tourner. Voilà. Pareil, l'articulation est ici. Maintenant, on va s'y atteler. Donc ici, il y a juste à déclipser. Parce que vous avez une charnière avec un pivot. Voilà, on décale. Ça, voilà, je l'ai mis ainsi pour moins que ça gêne. Vous avez ici une double charnière qui va permettre, en fait, ici, en plus d'un petit picot, de libérer. Voilà. Comme ceci, de chaque côté. La partie centrale va se séparer. Vous mettez, en fait, alors vous voyez, vous pouvez, hop, le mettre complètement droit. Là, ce qu'il faut, c'est le mettre, voilà, ainsi, pareil de l'autre côté. Là. Alors, moi, j'avance un petit peu par rapport sur la notice. Les rouges, je les mets déjà, enfin les chenilles, en roue. Donc, il y a juste à appuyer. Hein. Il y a un petit cran pour essayer à le choper, par contre, parce qu'en fait, vous n'avez même pas un bouton pour appuyer pour que ça s'active. Ça se fait tout seul. C'est un petit système cliquetis. Vous avez les deux pans de chaque côté qui vont tourner autour, hop, de la tête qui est ici. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Le pan qui est derrière, alors déjà vous avez l'empreinte qui est là-haut, on va le replier et après on la baisse. Comme ça, ça se planque derrière la tête, hein, enfin, sur le dessus. On va commencer à mettre, alors la tête et les deux bras ont tendance, voilà, un petit peu tous tourner en même temps, ça dépend. Donc un petit peu monté serré, malheureusement. Donc on met la tête. Hop, ainsi, voilà, dans l'alignement. Au niveau de la roue, donc en fait, il va falloir la placer au milieu. Donc voilà, il y a juste à tourner. Alors j'ai le bras, voilà, qui gêne un petit peu. La rotation, la charnière. Ici, ça va se clipser de l'autre côté, parce que vous avez un picot. Au-dessus, ben, on fait exactement pareil. Hein. Là, on tourne, on verrouille. La roue en arrière, celle-ci en avant. Voilà, elle n'est pas trop ronde, mais bon, ça fait rien. On finit sur les bras. Alors, voilà, je les mets correctement. Ainsi, je rabats comme ça sur le devant. Ceci, je vais les faire tourner pour que ça apparaisse correctement. Ici, les panneaux, je vais pouvoir les descendre. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on décale. Ça, le petit poste de commandement, je le tourne. Comme ça, on voit bien les roues, enfin les espèces de ventilateurs. Et je descends. Et maintenant, il y a juste à trouver le point d'équilibre à cette chose. Donc au final, on se retrouve avec quelque chose un petit peu comme Chromia ou Arcee. Donc effectivement, pas du tout bipède, hein, mais avec des roues. Alors, la roue, enfin les roues tournent. Par contre, comme c'est sur des cliquetis, bon, c'est assez dur, hein, donc... voilà, c'est plus à la main qu'autre chose, ça se balade, il n'y a pas de verrouillage. Mais bon, après on peut le mettre en fonction un petit peu moto pour rigoler. Donc il y a juste à décaler tout ça. Alors je remonte ça pour pas que ça accroche. Et là une espèce de moto, hein. Voilà, on va pas chercher plus loin. Amplitude de mouvement, bon, les espèces de jambes on va dire, ici. L'épaule, comme vous avez pu voir, voilà.
Bon, après ça se déclisse un petit peu là, ici, avec le système bah, qui fonctionne toujours, et puis le godet qui sert de main. Et puis donc malheureusement effectivement les dents qui ne sont même pas mobiles, ça aurait pu faire des doigts, ça aurait fait un petit plus un peu plus sympathique. La roue, bon bah, voilà, ça sert plus de contrepoids qu'autre chose. Bah, c'est un peu spécial encore, bah, les motos, autobus, ça passe encore, là c'est vraiment très spécial. J'ai surtout pris pour le mode véhicule. Bon, fan de Devastator, hein, donc forcément. Un constructicon en plus, surtout en voyageur, bah on crache pas dessus. Hein. Allez, on se retrouve à une prochaine review. Salut!